Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui avec le logiciel PINAC comment créer des chapitres. Les chapitres vont nous permettre de pouvoir aller plus rapidement à une séquence vidéo, comme vous trouvez sur les DVD professionnels. Eh bien, vous êtes prêts? À tout de suite! Donc, nous voici dans notre logiciel PINAC. Donc, nous allons aller dans le menu Créer. Afficher des menus de disque. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, selon la durée de votre film, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc ici, vous avez des différents types de menus. Donc moi, je vais prendre un comme ceci par exemple, et je le prends et je vais le faire glisser à l'endroit où je veux le voir ma séquence se créer. Là, il calcule et là, il va me demander une certaine chose. Il va me demander est-ce que je veux qu'il me crée automatiquement les séquences. Alors, si vous avez beaucoup de coupures dans votre film, ça va être ingérable. Donc moi, je vous conseille fortement de créer manuellement. Hein, donc moi, je vais dire non, je créerai manuellement mes séquences. Donc là, je vais dire OK. Et là, on va pouvoir commencer à travailler. Hein, donc ici, voilà, par exemple, le chapitre 1. On va venir se positionner à l'endroit où on veut voir apparaître notre menu. Par exemple, la première séquence. Là, je vais descendre avec ma souris. Je vais faire un clic droit. Et je vais faire définir le chapitre du disque. Voilà, vous avez créé un premier chapitre. Maintenant, si vous voulez faire un deuxième chapitre, et ben, on va se positionner dans notre séquence de notre film. Voilà, je me positionne deuxième séquence. Voilà. Clic droit, définir le chapitre du disque. Maintenant, chapitre 3. Un clic droit, définir le chapitre 10 et ainsi de suite. Alors, si on veut revenir dessus, on peut peut-être mettre ici la séquence. Hein. 26 octobre. Retour. Donc là, je vais fermer. Et on va pouvoir aller voir qu'est-ce que ça nous donne dans notre chapitre. Donc ici, la lecture. Vous voyez, hein, si je fais un double clic, hop, hein, donc ici 26 octobre, on a bien notre menu. Alors je vais sortir de là et je vais passer en mode, donc ici en mode comme vous l'aurez sur votre lecture. Alors là je vais arrêter et je vais me replacer. Je vais faire lecture. Donc si je veux aller sur mon chapitre 1, je fais directement et on arrive dessus. Donc si je reviens sur mon film de nouveau, lecture. Et si
si je vais directement sur mon chapitre 3, je suis directement sur mon chapitre 3. Donc vous voyez, c'était très simple hein, de créer des chapitres. Donc j'espère vous retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à venir visiter mon site internet www.laformatique.com. À très bientôt.